Salut à tous, c'est Vandal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Vendor Hearts Flavor Judgment. J'enchaîne juste après la vidéo précédente. J'ai même pas eu le temps de sauvegarder comme un con, hein. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, on commence une vidéo par une sauvegarde. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Bon, ça marche pas ça. Ah, une bataille au port où on va pouvoir se. S'il y a un petit sac d'or, c'est qu'on va pouvoir faire des emplettes. Et je crois qu'après on va se battre. Port de chez M. Mais où est le Port City Minato? Je veux revoir Grog. Dégâts 3-8? Mais c'est de la merde! Bref. Des soldats? On ne veut pas d'ennuis. Pas question que je me batte. Je suis en route pour Biruni. Peu importe s'ils me mettent dans une usine là-bas. Au-delà de l'océan, il existe des choses que personne n'a vues depuis la fin de la dernière guerre. Mon mari est au front. Il n'a pas écrit depuis des semaines. Qu'a-t-il pu se passer? Alors vous voulez faire la traversée? Rendez-vous au port quand vous serez prêt. Quelque chose me dit que il va y avoir une bataille. Ah, la suite logique des choses. Ça pourrait être notre dernier arrêt. Tout le monde est prêt? On y va. Ilgibares, vous êtes dingue? Bon d'accord, je vous y emmène. Seulement si vous allez dans le désert pour m'apporter la crinière d'un lion des sables. Non, je blague. Je le ferai contre du fric si vous êtes quoi, bien sûr. Ah! C'est vrai que c'était une punaise dans les scènes d'une off-sea, du coup. Et encore une autre référence. Ça vous dit une jolie bourse d'or chouméria? Eh! Ma foi, ça fera l'affaire. On lève l'ancre. Et je sais pas pourquoi, je sens que ce capitaine va nous lourder. Je le sens. Je sais pas pourquoi. Ah bah quoique non, si on se rend à ton centre de recherche. Ma foi, c'est bien. Eh ben ça a l'air sympa. Ça peut pas être pire que Timion Veil. Oui, tu as sûrement raison. On dirait qu'on arrive à la fin de quelque chose, pas vrai? La victoire ou la défaite. Tu vas faire quoi quand ce sera fini? Enfin, en supposant qu'on survivra. Je sais pas. Débuter une collection de timbres? Ça, c'est le hobby d'Huxley, Tobias, ça, on n'y touche pas. Non, sérieusement. Retourner à l'église, je pense. Je pourrais être un bon guérisseur. L'église, Toby, encore une question. Quand nos mères sont tombées malades et qu'on a prié, où était Dieu? Ellie meurt, il n'y a pas de prière pour rester mort. Puis Luce meurt presque et boum, miracle. Connor, si j'avais la réponse, je te le dirais. Tu veux savoir pourquoi j'ai rejoint l'église? C'est ça? Pour l'enseignement, la guérison. Améliorer le monde, c'est ça que je veux faire. Tu crois vraiment pouvoir changer le monde? Si tu ne le crois pas, que fais-tu là? Hé, quelqu'un t'a assuré que tu ne meurs pas dans ta mission. Ça fait quoi de retrouver son père comme ça? Ça fait beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment j'ai su que c'était lui. Dieu a dû me le murmurer. J'aimerais que Dieu me parle. J'aimerais bien qu'il me dise si mes parents vont bien. C'est horrible de ne pas savoir. Je n'aurais pas dû fuir sans savoir. J'ai paniqué. Bien sûr que tu as paniqué, Altiria. On est encore jeune. C'est un miracle qu'on soit encore en vie.
Puisque ça prouve plus ou moins que les miracles existent. Garde espoir, tu les retrouveras, tu verras. Mais c'est bon, lui, on l'a guéri, ça va, mais Altiria, je la trouve plus sympa. Eh bah attends, elle fait des dégâts de malade, hein! Et oui, et ouais. Ah, changeons de musique comme ça. J'aime bien cette musique. Cet endroit n'était pas difficile à trouver. Trouvons son Bergen. Trouvons ce Bergen. Intrus détecté. Déclenchement de la contre-attaque. Déclenchement de quoi? Ah, Gren, he's back. Et ce n'est pas un ennemi cette fois-ci. Ah, ce que la magie va pouvoir les atteindre. Ah, mais bon, ça touche deux alliés, donc non. Et voir papa. Nul. 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 Tintin. Tiens, un robot couturier. Ah bah enfin tu le touches. Est-ce qu'on peut direct m'ouvrir ou je dois d'abord m'occuper de... Et du coup, on va affronter des robots avant d'attendre monsieur. Là, la vraie map va commencer, je pense. Excusez-moi, vous êtes Bargain? La nienne nous envoie. Non. Mais que faites-vous ici? Sortez de là avant qu'il revienne. Bergen, c'est comme ça qu'on a acquis ses invités?
Oh, c'est Duma! Duma Jailmaster! Bien! Vous n'êtes pas du conseil éthique. Et vous feriez de très mauvais espions. Qui êtes-vous? On cherche un moyen d'arrêter les flammes du jugement. Arrêter? Mais pourquoi vouloir les arrêter? Les flammes sont le futur de l'humanité, mes amis. Toutes les flammes ont besoin de carburant, d'âme dans le cas présent. Des milliers d'âmes pour qu'elles soient puissantes. Dans quel but? Pour forger une arme. L'arme! Une lame pour fendre la barrière qui sépare le monde des hommes du paradis. Le Vandalar. Oh putain, non! Mais c'est la Vandalar, pas le. Je sais pas, c'est bizarre. Le Vandalar, c'est la prophétie des gardiens de la porte. Ah, vous la connaissez alors? J'ai approfondi leurs préceptes, et mes recherches permettront de réaliser ce que la foi des autres n'a pas pu faire. Mais de quoi parle ce type? D'accord. Il y a 16 ans, une pierre ardente est tombée du ciel. Une pierre contenant une étincelle de la puissance créatrice de Dieu. Mon équipe l'a trouvée, on l'a étudiée et on a réussi à augmenter sa puissance. Mais dans ces murs, c'est tout ce que nous pouvions faire. On a besoin de faire des recherches sur le terrain. Puis on a entendu dire que le général Dalen Gray avait besoin d'une arme puissante. Espèce de sale! Cette guerre! Tous ces morts! Ça fait partie de votre expérience scientifique! Notre âme invoquera le Messie et nous amènera au paradis. Mais préfères-tu le monde dans lequel tu vis? Cruel et sans pitié, les nations qui s'entretuent, la famille, la maladie, la mort de ceux que nous aimons. Garde ton monde alors, bats-toi pour lui, meurs pour lui! Il est bourré, je crois. Vaincre Duma et ses sbires. Tous les alliés sont emprisonnés. On peut s'emprisonner. Ok. Soit on fonce. At your service. Alors, hop, augmentation, fluidité. Là, augmentation d'idée sur Tobias. Let's go. Bim, 211. Je peux pas l'avoir. Oh, je fais une case. Shit. Bah, tempête. C'était naze. C'est tout? Ah, s'ils font pas de dégâts, ça me va.
C'est parti pour le Roman Fire des familles. Ouch. Non, graine, déconne pas. C'est tout. Et tu me déçois, Lucent. Ils sont ultra résistants. Bim. Go go go. Alors juste on va la mettre un peu en retraite. La soigner. On débarrasse d'abord de ces trucs, de ces espèces de méca ou je ne sais quoi. Et ensuite, nous allons nous occuper de Duma. Vu que c'est un archer, il suffit qu'on l'encercle et il est fini. Hé, raté. Bam. De toute façon, on peut pas tous nous emprisonner, il y a pas, il y en a juste 3. Je vais augmenter la mobilité de Connor, j'espère que Altiria, tu as cette magie. Oh mais tu as tout Altiria, je t'aime. Ça, on libère Tobias. Je savais pas qu'il pouvait faire ça, c'était ça dans le truc emprisonné ou je sais pas quoi. C'est salaud, mais c'est bien pensé. Enough. Ready. Je crois qu'il enferme pas graines, ça me ferait chier. Aïe. Yeah.
Ouais, faites des dégâts sérieux les gars là. Je peux attaquer? Non. Immunité, je parie. Et oui, bah c'est ça, c'est un boss hein, après tout, donc. Et alors, il faudrait que j'arrive à le coincer là-bas. Allez, j'espère que ça, la couronne glacée va être suffisante. Oh mais non quoi, il reste 9 PV, t'es sérieux? Hé hé, raté. Ça gardait un zoom chelou. Hop. Au revoir. Je suis invincible. Mon costume a été fait dans les flammes. Ah, à propos. Diane, qu'as-tu fait? Frappez maintenant les jeunes, il est affaibli. Bergen, je vais te tuer! De toute façon, on va essayer de l'enfermer avec... avec Keren. Avec Garen. Arrivez. Et tiens, bouffe. Allez, déconne pas d'humain. Ah, je pense, vu que c'était bleu, je pensais que je pouvais y aller. Ah, attends, une case presse, c'est chiant ça. Je vais peut-être le laisser là pour au cas où si comment s'il y en a un qui se fait emprisonner. Regarde, il est sur le point de crever là. Les graines, on va le faire replier. Ah,
tiendra pas. Let's go. Alors, magie, augmentation, vitalité. Putain, il a mis des boîtes avec sa magie, je t'arrête. Cinglé. Ah, je peux arriver jusque là. Je peux me déplacer jusqu'ici. Ready. Perfect. I'm ready. Hop, tu libères. Yes. J'en ai laissé un en retrait. Perfect. Ready. Yes. C'est victoire. Perfect. We must win. C'est pour ça que tu as le but des graines. On pousse sur toi. Bigger. Nice. Ah, il vaut 10 000, ça va, il vaut cher. Il a disparu, c'est incroyable. Merci, il me retenait depuis des siècles. Quelle est cette bague que tu as utilisée? Elle te plaît? C'est un cadeau d'une princesse. En secret, je lui ai insufflé le pouvoir des flammes pour me protéger. Yana était la seule à savoir, alors vous devez être ses amis. Comment va-t-elle? Je vois. Je suis désolé. C'était la meilleure d'entre nous. Bon, on a très peu de temps. Comment fonctionne cette bague? Et peut-on la voir? Son fonctionnement est très sophistiqué. En gros, elle anéantit les flammes. Je pense qu'elle vous servira plus qu'à moi. En gros, cette bague, c'est la bague royale, si je comprends bien. Merci, Bergen. Autre chose. Yana a dit que vous pouviez nous mener rapidement à Urdu. Ah, très rapidement, si vous êtes prêt à prendre le risque. Quel risque? Permettez que je vous présente la porte du paradis. Du moins, c'est comme ça qu'on l'appelle. Heaven's Gate, le sous-titre de Vanguard 2. On pensait pouvoir transporter un homme au paradis corps et âme. On ne s'attendait pas aux obstacles du purgatoire. C'est... extraordinaire. Mais comment ça va nous aider à atteindre Urdu? Le purgatoire, le paradis, l'enfer aussi sûrement. Ils existent tous sur différents plans. Si vous deviez entrer au purgatoire d'ici, théoriquement, vous pourriez aller où vous voulez. Théoriquement. Quelqu'un a déjà essayé? On a fait quelques expéditions. L'une d'entre elles a réussi. Notre cobaye a rapporté ses gemmes. En fait, laisse-moi voir ton épée, jeune homme. C'est celle de mon père. J'ai une idée. Laisse-moi la reforger avec ses pierres. Leur éclat risque d'être un peu inattendu, mais je crois qu'elles l'aideront à résister aux flammes. Oh. Wow.
Merde. Au fait, vous voulez faire des provisions avant de poursuivre votre route? Bien sûr. Bien sûr, oui, je veux. Je veux, je le souhaite. Montre pas ton étal. Eh ben, 30 minutes déjà? Ah ouais, c'est. On a l'impression que cette bataille va durer 3 secondes, mais quand il y a un boss, hihi, ça. Centre de Gilbaris. Ah, mais en fait, du coup, les armes que j'ai achetées tout à la dernière fois, elles ont été utiles pour de bataille. Oh mon Dieu, c'était pas beaucoup. Bref. Pipa, chpiloupa, piloupa, chpipa, pouloupa, palimpa. En fait, ce que je vais faire, c'est que les empêches, je vais faire hors vidéo. Là, ce qu'on va faire, on va plutôt sauvegarder. Donc, je vais terminer la vidéo ici. Je ferai les emplettes hors vidéo. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Là, on avance, on avance. Voilà. Et puis, bah, en tout cas, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Vandal Hearts Flame of Judgment. Salut!